Barbara était née il y a maintenant 26 ans. Ses parents étaient devenus riches en faisant fortune dans l'immobilier à San Myshuno. Leurs affaires avaient grandi à la vitesse de la lumière et leurs agences immobilières avaient poussé comme des champignons, puis s'étaient étendues dans les plus grandes villes comme Evergreen Harbor et San Sequoia. Le nom des Walsh était aussi connu que respecté et les gens les plus influents s'en étaient rendus compte. Très vite, les Walsh ont commencé à se faire inviter à toutes sortes de soirées mondaines en compagnie des gens les plus riches et les plus importants du milieu aristocratique. Champagne, truffes et caviar étaient devenus les trois mots les plus répandus dans la bouche des parents de Barbara et bientôt, ils allaient acheter la plus belle des maisons sur les hauteurs de Del Sol Valley, juste à côté de celle de Judith Ward. Quelque temps plus tard, Madame Walsh donna donc naissance à une ravissante petite fille aux yeux bleus qui n'allait jamais connaître le manque et allait toujours vivre dans l'argent et le luxe. D'année en année, Barbara fréquenta les meilleures écoles, les centres artistiques et sportifs les plus réputés et, bien entendu, tous les enfants des couples les plus riches. À son adolescence, la jeune femme tomba amoureuse de l'héritier de la grande star du cinéma, Léo du Carpaccio. Ses parents étaient bien sûr plus que fiers et plus que comblés d'imaginer la suite des événements pour le jeune couple. Un grand mariage avec des centaines de convives où les diamants et l'argent seraient les maîtres mots. Pour leur 18e anniversaire, Barbara et Chase se marièrent donc sous la supervision de leurs influents parents et devinrent le couple le plus glamour de Del Sol Valley. Les jeunes du Carpaccio entrèrent donc dans le milieu officiel de l'aristocratie en tant que couple puissant et très vite, ils allaient devoir montrer de quoi ils étaient capables. Car oui, ce n'est pas parce qu'on est né d'une famille puissante qu'on le reste. Leurs parents en sont arrivés là où ils sont à la sueur de leur front et ils attendaient bien sûr que leur progéniture en fasse autant. Conscients des enjeux, les jeunes mariés ne mirent que très peu de temps avant de trouver leur voie et de rendre leurs parents fiers. Chase enchaîna les castings et fut repéré par une grande marque de haute couture qui décida d'en faire son égérie. Après tout, qui de mieux que le fils du célèbre Léo du Carpaccio pour représenter la marque Tita Sims? Quant à Barbara, elle aimait beaucoup le relationnel et avait toujours admiré les soirées mondaines dans lesquelles sa famille et elle se rendaient. Elle a donc démarché les plus grands noms de l'événementiel et s'est proposée comme collaboratrice avec la boîte la plus renommée de la ville. À présent, elle était donc devenue la patronne de Sims Event, l'agence que les stars du monde entier appellent lorsqu'ils veulent organiser une soirée, une fête, un anniversaire ou encore une avant-première. Le jeune couple du Carpaccio avait réussi dans le milieu des affaires et, à seulement 26 ans, ils étaient déjà aussi influents que leurs parents. Et même si le luxe et l'argent étaient leur quotidien, leur rêve de mener une vie un peu moins agitée leur avait traversé l'esprit. C'est pourquoi ils ont acheté une mignonne petite maison à Sulani afin de profiter de soirées au bord de la piscine face à la mer, mais loin des projecteurs de Del Sol Valley. Vivre dans le luxe, oui, mais pas nécessairement dans un château. Vivre en étant une personnalité publique, oui, mais en profitant de la vie.